Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Installation ce samedi de la Coordination nationale des femmes leaders, les bataillons de Patrice Talon. C'est un mouvement qui se dit séduit par les réalisations du chef de l'État au cours du quinquennat qui s'achève. Les bataillons de Patrice Talon, c'est un mouvement qui se donne donc pour mission d'amener le président de la République à ne pas abandonner le navire de la rupture. Le réseau des femmes syndicalistes du Bénin déclenche la guerre au harcèlement sexuel en milieu de travail au Bénin. C'est à travers un séminaire national organisé en partenariat avec la Fondation Freddy Chebert. Les activités se sont déroulées à Grand Popo dans le département du Mono. Nous parlerons également éducation avec l'organisation non gouvernementale Gbewa en partenariat avec Plan International Bénin qui œuvre pour l'amélioration des conditions d'études dans les écoles. Les deux structures ont inauguré un module de 3 salles de classe équipé de tables et bancs à l'école primaire publique Gbekandi 1 dans la commune d'Adjourou et une cantine au profit des apprenants de l'école primaire publique de Kodé. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Plus l'élection présidentielle de 2021 s'approche, plus des initiatives naissent de toutes parts pour convaincre le président Patrice Talon à être candidat à sa propre succession. Ce samedi, c'est la Coordination nationale des femmes leaders, les bataillons de Patrice Talon, qui a été installé à Cotonou. C'est un mouvement qui se dit séduit par les réalisations du timonier de la rupture au cours de ce quinquennat qui s'achève bientôt. Les détails avec Assemo Kanyasomo. Le rouleau compresseur est en marche et c'est sous ce slogan qu'a eu lieu l'installation de la Coordination nationale des femmes leaders du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. C'est au cours du dîner d'échange sur les réalisations du programme d'action du gouvernement le samedi 10 octobre à Novotel de Cotonou. Ces femmes leaders estiment qu'elles n'ont plus de temps à perdre et doivent se lever massivement. Le moment est enfin venu d'agir en toute confiance, en ayant à l'esprit que nos choix, évidemment, façonnent notre avenir. Il nous faut alors agir pour que nous, femmes, puissions continuer à bénéficier des opportunités actuelles et futures et des réformes entreprises sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Le président ne peut ainsi s'arrêter en si bon chemin, car les réformes actuelles nécessite le courage. Raison avancée, les réalisations des objectifs contenus dans le programme d'action du gouvernement. Asphaltage, fourniture en continu de l'énergie électrique, lutte contre la corruption, réforme. Des résultats qui les amènent à dire que le chef de l'État doit aller au bout de ses actions. En tant que femme bataillon, leur a rappelé le secrétaire général du mouvement, Armand Souton. Il y a un processus qui est déclenché et qu'elles doivent soutenir. Il s'agit de sensibiliser vos collègues, vos amis, vos soeurs, vos mamans, pour qu'ils comprennent, pour qu'elles comprennent que le développement, ce n'est pas ce que nous avons vécu ces 50 dernières années. Si je peux produire un vent, c'est suffisant. Si mon enfant peut aller à un concours, être admis, c'est suffisant. Si je peux quitter ma maison et prendre une bonne route, c'est suffisant. C'est de ça qu'il s'agit. Si je peux vendre dans un marché avec des conditions optimales, c'est suffisant. Si je peux aller à l'hôpital, être soigné sans coût, c'est suffisant. C'est ça le développement. Les résultats actuels valent mieux que les promesses faites il y a quelque temps, ont-ils unanimement reconnu. C'est pourquoi ces femmes sont faites porte-flambeau du mouvement. Il s'est agi d'armer nos braves et belles dames afin de parer à d'éventuelles démobilisations. L'enjeu de cette activité est de faire de nos femmes les éclaireurs avisés. Le courage, la détermination et la conviction est long. Il fallait simplement ajouter à cela l'information et la bonne information. Ce qui est fait aujourd'hui, nous sommes donc en droit d'attendre d'elle qu'elle soit le porte-flambeau des réalisations du programme d'action du gouvernement au sein des ménages, au sein de leur communauté et au sein de la communauté tout entière.
L'installation de la coordination nationale est une mission que le mouvement confie aux femmes leaders, celle d'éclairer leur entourage sur les changements qui s'opèrent pour les convaincre à soutenir le président Patrice Talon. L'implication des femmes élues conseillères dans la lutte contre les violences basées sur le genre est la nouvelle orientation du combat mené par le gouvernement du Bénin et ses partenaires. Le nouvel engagement a pris corps dans le Septentrion au terme d'une séance d'échange organisée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Cette rencontre qui s'est tenue ce jeudi à Parakou a réuni les femmes élues conseillères des départements de la Liborie et du Borgo. Suivant. Lutter contre les violences faites aux enfants et aux femmes. C'est autour de cette problématique que se tiennent ces assises sur initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance avec les partenaires techniques et financiers. La séance est organisée à l'endroit des femmes élues conseillères des départements de la Liborie, du Borgo et des Collines en vue de leur implication dans le combat. La présente séance, à la veille de la Journée internationale de la fille, entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche innovante de protection initiée par le ministère dont j'ai la charge. Elle place les femmes élues conseillères au cœur de la lutte contre les violences sur les filles et les femmes en tant que recours d'urgence. Véronique Toifodé fait désormais de ses élus des ambassadrices de protection de l'enfant et de la femme. Un message bien reçu par ces dernières qui ont dit leur engagement à assumer cette mission. Je voudrais rassurer Madame la ministre en disant que c'est un combat que nous menons chaque jour. Mais aujourd'hui, son soutien nous permet vraiment de lui dire que nous nous engageons de façon définitive pour aider nos sœurs, nos filles à sortir de ce grand enjeu qui n'est rien d'autre que les violences basées sur le genre. Malgré les efforts fournis par le gouvernement béninois et les organismes internationaux, le phénomène de violence faite à cette catégorie de la société présente toujours des poches de résistance. Les chiffres exposés à travers les communications sont assez évocateurs, d'où l'engagement des partenaires à accompagner le gouvernement dans son combat. L'UNICEF est disponible, disposé à les accompagner dans leur rôle de plaidoyer, de porte-parole et de mobilisation de la société, tant au niveau du département qu'au niveau national, pour que nous aboutissions à des résultats. Donc, nous ne saurons que réitérer l'intérêt et la disponibilité de l'UNICEF à vous accompagner dans vos efforts. Après cette séance, la ministre avec sa suite se sont rendus à la cour royale de Kobourou pour rallumer la flamme de la croisade contre les mariages précoces. Un message rappelé aux chefs traditionnels et religieux de la cité. La délégation poursuit son périple dans le département de la Donga. Et les femmes élues conseillères communales et locales des départements de l'Atakora, de la Donga et des Collines sont également désormais engagées pour éliminer les pratiques traditionnelles qui empêchent l'émancipation de la femme. C'est à travers une séance d'orientation et d'engagement qu'elles ont décidé de mener une lutte contre les violences basées sur le genre. L'engagement a été pris ce vendredi à Djougou en présence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage. Contre les grossesses précoces, nous nous engageons. Elles sont toutes des femmes élues conseillères communales et locales venues des départements de l'Atakora, de la Donga et des Collines. En faisant le déplacement de Djougou ce vendredi 9 octobre, elles entendent ainsi s'engager aux côtés de la ministre des Affaires sociales et des leaders traditionnels et religieux dans la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes dans leurs localités respectives. Nous, femmes élues conseillères communales et locales des départements de l'Atakora, de la Donga et des Collines, prenons l'engagement pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre dans nos communes et localités respectives. En matière de promotion et de protection des droits des enfants et des femmes, la Donga s'illustre négativement à cause de la persistance des pesanteurs socioculturelles.
Les statistiques des différentes violences basées sur le genre enregistrées courant 2019-2020 en sont des preuves tangibles. Désormais, ces vaillantes femmes auront la lourde responsabilité de contribuer à la réduction significative des pratiques discriminatoires qui minent l'épanouissement de la gente féminine. Vous avez surtout à agir sur les mentalités. Les résultats d'une étude sur le comportement, attitudes et pratiques violentes sur les enfants menée par le département ministériel dont j'ai la charge avec l'appui de l'UNICEF montre que le mariage des jeunes filles est une pratique communément acceptée. Ainsi, près d'une fille sur 10 est mariée avant l'âge de 15 ans. Et dans le septentrion, près de 2 filles sur 10. Plus de 3 sur 10 avant l'âge de 18 ans. Ces mariages précoces ont un impact direct sur l'accès à l'éducation. Sur 100 000 habitants, 1 700 garçons font aujourd'hui des études supérieures compte seulement 630 filles. Autant de défis qui attendent ces femmes leaders pour inverser la tendance. Leur implication relève d'une approche novatrice dans le combat contre les pratiques traditionnelles néfastes à l'autonomisation des filles et des femmes. Cette approche que, Madame la ministre, vous avez eu la clairvoyance d'adopter permettra à coup sûr de réaliser des résultats appréciables. Les violences persistent malgré les actions menées. Nous sommes tous aussi déterminés comme vous pour réaliser des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes dans tous les domaines au Bénin. À travers la présente rencontre, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, appuyé par les partenaires techniques et financiers, entend toujours œuvrer pour l'élimination des violences sous toutes ses formes. 2019, il y a 10 933 naissances. Harcèlement sexuel en milieu de travail au Bénin, c'est le thème du séminaire national organisé par le réseau des femmes syndicalistes du Bénin. Cette rencontre qui s'est tenue ce jeudi à Grand Popo dans le département du Mono a bénéficié pour la circonstance de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Le point de l'ouverture des travaux avec Geoffroy Messin. Ces femmes sont du monde syndical au Bénin. Elles sont ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et prennent part à un séminaire national organisé par leur regroupement, le réseau des femmes syndicalistes du Bénin, RFSB. Thème de la rencontre, le harcèlement sexuel en milieu de travail. Je ressens en mon âme une satisfaction de constater avec vous que la violence et le harcèlement en milieu de travail est une gangrène à laquelle nous devons couper, voire ôter les racines pour le bien et le mieux-être de tous. C'est alors dans le souci d'informer, d'être informé et de pouvoir informer son environnement et de nous permettre de nous mettre ensemble pour combattre et éliminer ce fléau que le réseau des femmes syndicalistes du Bénin RFS a pensé et opté pour le renforcement des capacités des leaders que nous sommes. Le RFSB a bénéficié pour l'organisation de ce séminaire national de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. Le séminaire se veut un cadre de discussion, de réflexion et de proposition afin de trouver des réponses idoines pour faire face au harcèlement sexuel en milieu de travail. Au-delà des stratégies, nous espérons arriver à terme à vous voir vous engager dès l'année prochaine dans une campagne pour la ratification de la Convention 190. Et à ce propos, la Fondation Friedrich Ebert sera à vos côtés et ne ménagera aucun effort pour accompagner afin que nous réussissions ce coup dans les prochaines années ou pourquoi pas l'année prochaine à faire ratifier cette convention-là par le Parlement. Le RFSB a fait de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail l'un de ses chevaux de bataille. Et ceci au service de ses affiliés pour un épanouissement et une reconnaissance des droits des femmes travailleuses par le canal des comités de femmes dans chaque centrale syndicale. Un combat soutenu par le COGEFOS, comité de gestion des fonds des organisations syndicales. Le COGEFOS, en tant que cadre de concertation et centrale confédération syndicale, érige en priorité
la promotion du genre et l'épanouissement de la femme travailleuse. À cet effet, il se tient engagé aux côtés des femmes leaders du REFES pour relever les défis qui empêchent l'épanouissement de la femme travailleuse au Bénin. Parmi ces défis figure la bataille en faveur de l'application de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin, mais également le combat visant la ratification de la Convention 190 de l'OIT relative aux violences faites aux femmes en milieu de travail, y compris le harcèlement sexuel. Les discussions qui durent 72 heures permettront aux participantes de cerner la législation nationale et celle internationale qui encadre le droit des femmes, de mener des discussions sans tabou sur le phénomène du harcèlement sexuel, puis de sortir de ce séminaire avec des stratégies pour lutter contre ce fléau. Girl Takeover, entendez les filles aux commandes. L'activité consiste en une simulation de rôle. Elle est organisée par Plan International Bénin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille édition 2020. Pour la circonstance, deux jeunes filles étaient aux commandes du bureau du programme d'influence de Boycon. Le scénario leur a permis de se faire une idée de la pression et du prestige des postes de responsabilité dans une administration. Suivant. Une simulation de rôle. Le scénario a permis de mettre deux jeunes filles aux commandes du bureau de mise en œuvre du programme d'influence de Boycon. Dans leur attribut pendant une matinée, les dirigeantes momentanées ont d'abord été accueillies au siège de Plan International Bénin à Boycon. Temporairement directrice générale et directrice générale adjointe, elles sont aussi allées prendre langue avec le directeur départemental de l'enseignement primaire ainsi que le préfet du Zou. Avec le juge des mineurs, nous avons fait plusieurs rencontres où problème de maltraitance par exemple ont été prises en compte. Toujours dans le cadre de la protection des mineurs, bon, les gens qui contribuent à ce que la jeune fille ne puisse pas continuer, les personnes qui ont un peu plus de moyens, qui les influencent avec ces moyens-là, nous les interpellons. L'activité est initiée par Plan International Bénin en prélude à la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, JIFI édition 2020, dénommée Girl Takeover. L'exercice pour les deux jeunes filles est édifiant. Il réconforte également les responsables quant à l'atteinte des objectifs de l'organisation pour ce qui concerne l'épanouissement de la jeune fille. Je tiens à remercier Plan International Bénin qui nous initie déjà à, dans la vie professionnelle, comment cela se passe, comment les choses évoluent pour que quand nous serons dans la situation réelle, nous puissions savoir comment nous devons nous tenir pour et que les choses se passent dans de bonnes conditions. C'est un jeu de rôle, de la mise en confiance et en condition des jeunes adolescents et adolescentes avec lesquels nous travaillons dans le cadre de la mise en œuvre de nos programmes et projets pour la réalisation de l'ambition de l'organisation Plan International qui voudrait faire progresser les droits des enfants et l'égalité en faveur des filles. Nous pensons que l'espoir est permis et que les investissements que ensemble nous avons eu à faire jusque-là sur ces jeunes en termes de renforcement de capacités pour leur créer des espaces de pouvoir, de participation, ces investissements sont en train de donner leurs fruits. Des postes de responsabilité, mais aussi des décisions prises ou influencées par des femmes. À cet idéal, Plan International Bénin travaille depuis un moment à travers le projet aux filles l'égalité. Le premier objectif, c'est que les filles aient le même pouvoir. Et le second objectif, c'est que les filles aient une même liberté. Donc, parlant de liberté, il y a la liberté en ligne. Et le troisième objectif, c'est que les filles aient une même représentation, donc les stéréotypes cessent désormais. Reconnu pour ses efforts pour le bien-être des populations, Plan International Bénin met surtout en œuvre plusieurs projets et activités dans notre pays. Les enfants et les jeunes constituent ses cibles privilégiées. À l'image de cette activité de simulation de rôle, d'autres initiatives sont prévues pour évaluer les performances de l'organisation dans les divers domaines d'intervention.
Célébration de la 51e journée mondiale de la Poste au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à la direction générale de l'institution à Cotonou. Occasion pour les responsables d'exposer au public les grandes innovations enregistrées dans le secteur. Reportage. À ce rendez-vous commémoratif de la 51e édition de la journée mondiale de la Poste, plusieurs autorités politico-administratives. L'événement marque en effet la date de création de l'Union postale universelle, une entité fêtière de toutes les postes du monde. La Poste est une institution qui permet au monde de communiquer, de réduire la distance qui sépare les citoyens et de favoriser le développement des échanges économiques. C'est à cette mission que s'attellent chaque jour les employés de la Poste du Bénin à qui je souhaite bonne fête. La journée mondiale de la Poste est l'occasion idéale de rendre hommage à nos pays membres, aux opérateurs postaux, au personnel postal et à toutes les personnes prenant part à la distribution du courrier. L'objectif de cette journée est de sensibiliser tant les citoyens et les entreprises sur le rôle important de la Poste dans leur vie quotidienne et ensuite sur sa contribution au développement socio-économique des pays. Au Bénin, l'institution compte déjà à son actif plusieurs innovations. La Poste du Bénin capitalise à l'épreuve de la mise en œuvre de ses projets quelques petits succès. Il s'agit notamment de la structuration des pôles de production de la valeur ajoutée tels que Poste Finance, Envoi Express, Transport, Poste Imo et l'exploitation commerciale pour renforcer notre compétitivité. Le démarrage du SMS Banking, grâce auquel les clients de la Poste du Bénin, détenteurs d'un compte courant ou d'un compte épargne, reçoivent systématiquement les informations relatives aux opérations effectuées sur leur compte. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les cadres de la Poste, tous les collaborateurs, à observer la discipline qui voudrait que l'on suive les recommandations de son chef, à considérer la Poste comme leur maison, non pas pour se servir n'importe comment, mais pour servir et quasiment se tuer à la tâche pour la renaissance et la résurrection de cette maison qui rend service non seulement aux familles, mais à toute la nation entière. C'est une exhortation du ministre de tutelle Alain Orunla qui n'a pas manqué de réitérer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le rayonnement de l'institution. Un autre moment fort de la célébration, c'est la remise des lots lauréats du jeu concours épistolaire organisé à l'occasion. Des clients de la Poste du Bénin sont également repartis avec différents prix à l'issue du jeu tombola instauré. L'archange Saint-Michel a été célébré ce vendredi au 1er bataillon de commandos parachutistes de Ouassa. L'édition 2020 de la fête patronale des commandos parachutistes est marquée par l'inauguration d'une salle de souvenirs pour retracer l'histoire de cette unité d'élite. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. C'est une tradition qui remonte aux années de la Deuxième Guerre mondiale. Elle réunit pour la première fois, le 29 septembre 1949 au Vietnam, les frères d'armes parachutistes. Depuis lors, l'archange Saint-Michel, saint patron des parachutistes, est célébré chaque année. Au Bénin, l'unité est créée par le général Christophe Soglo et le colonel Alphonse Allé, initialement dénommé commando opérationnel. Cette unité qui a pour devise « vaincre ou mourir » a subi beaucoup de mutations. Le 20 juillet 1966, le commando opérationnel a rejoint Cotonou et a pris part au défilé du 1er août 1966 sur l'avenue Temes. C'est la première apparition publique de la jeune unité avec son style de marche différent. En novembre 1966, le commando opérationnel quitte Cotonou pour les sous-unités du sous-groupement d'appui de Ouida. De cette date à ce jour, il a subi beaucoup de mutations. Ainsi, le commando opérationnel prend la domination de la première compagnie de commando parachutistes et est toujours basée à Ouida. Créé par décret numéro 67-116 du 3 mai 1976, le bataillon de commando parachutistes n'est devenu une réalité qu'en octobre 1981. En temps, suite à l'avènement du 16 janvier 1967, la compagnie quitta Dan
en 1978 pour rejoindre le camp des pionniers à Ouassa. Aujourd'hui, 1er bataillon des commandos parachutistes, l'unité a connu 17 chefs de corps. Elle a souvent été sollicitée en cas d'urgence pour intervenir sur le territoire national et régional. Pour sauvegarder son histoire, il a été décidé la construction d'une salle de souvenirs, un rêve qui a été concrétisé cette année avec l'inauguration d'un espace pour matérialiser le parcours et les exploits de cette unité. Le besoin de sauvegarder et de préserver cette richesse afin qu'elle ne soit perdue pour les générations futures, s'est fait ressentir. Besoin légitime, car sans connaissance du passé, on ne saurait construire les bases solides d'un futur meilleur. Pour maintenir haut le flambeau de cette unité d'élite de l'armée de terre et des forces armées béninoises en général. Toutes les activités qui permettent à l'armée de terre de renforcer sa cohésion constituent une avancée pour cette armée de terre. Donc je serai toujours aux côtés des unités qui célèbrent la cohésion, qui célèbrent la fraternité, qui célèbrent l'amitié entre les frères d'armes. Et que une très bonne ambiance se poursuive au sein des unités de l'armée de terre. Excepté les discours et avant le festin, les hôtes du camp Ouassa ont aussi eu droit à des parties de démonstration de boxe et de karaté. Ce creuset de rassemblement et de retrouvailles des parachutistes des forces armées béninoises a permis aux frères d'armes de fraterniser et de resserrer les liens. La fête étant terminée, ces combattants vont pouvoir retourner à leurs occupations de défense de la nation. Le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, était ce jeudi sur les sites en construction dans le cadre du renforcement de la distribution de l'énergie électrique au Bénin. C'est un projet du gouvernement béninois soutenu par le Millennium Challenge Corporate. Le ministre était donc sur le terrain pour constater le niveau d'exécution des travaux. Assumons Kanyan Siongbon pour plus de précisions. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donat Oussou, a entamé le jeudi 8 octobre une mission sur les sites du projet de distribution d'électricité financé par les États-Unis d'Amérique et le Bénin. La première étape l'a conduit sur le site Segelec à Akpakpa et qui est la base vie de l'entreprise. Jean-Claude Donat Oussou s'est ensuite rendu sur le site dénommé Croix-Rouge où se font les travaux de renforcement du réseau de distribution d'électricité régional et à Cotonou. Dans ce bâtiment que vous voyez à ma derrière, C'est un centre qui va relier et qui va conduire tous les 55 postes de distribution de l'électricité à niveau national. Donc, MCC, comme une agence du gouvernement des États-Unis d'Amérique, est fier d'être le partenaire du gouvernement du Bénin dans ce noble objectif de fournir le peuple béninois de l'électricité qui va alimenter leurs rêves, alimenter l'économie, alimenter les vies des ménages et alimenter les entreprises. La visite s'est poursuivie sur un autre site à Agbedjoumédé dans la ville de Cotonou. Là également, c'est un poste de renforcement et de réhabilitation. Au total, la mission a effectué 7 étapes dans Cotonou et à Boumé-Calavi. Et Jean-Claude Donat Oussou d'apprécier ce qu'il a vu. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je dirais, est inspirant et rassurant. Inspirant parce que c'est l'exemple type de ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Je prends l'exemple du centre de dispatching en cours de construction à Kasato, qui est la tour de contrôle. À partir de laquelle on doit donc piloter la distribution de notre pays. C'est quelque chose d'historique et qui nous manquait depuis toujours. Quand il y a une panne, c'est à tâtons qu'on recherche la localisation de cette panne pour pouvoir traiter. Alors avec ces dispositions modernes, on doit pouvoir, depuis la salle de contrôle, identifier les zones qui sont en défection. Les travaux vont être accélérés et le ministre de l'Énergie espère que les infrastructures seront livrées à temps. Nous entrons dans une phase maintenant concrète qui est une phase après méthode. On arrive maintenant, et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, pour dire que tout est fin prêt pour que ces différentes infrastructures modernes, toutes ces infrastructures seront opérationnelles. Selon le Millennium Challenge Account, le projet distribution d'électricité vise à moderniser les infrastructures. Ceci
pour étendre la capacité du réseau à s'adapter à la croissance, améliorer la fiabilité et réduire les pertes et les coupures d'électricité. L'ONG du Co-Bénin et la coopération suisse volent au secours des enfants en situation difficile pensionnaires du foyer Don Bosco et de l'Institut des filles de Marie auxiliatrices. C'est à travers le don d'un important lot de matériel devant contribuer à améliorer leurs conditions de vie et d'apprentissage. La remise officielle a eu lieu à Porto Novo au foyer Don Bosco. Les responsables de l'ONG du Co et de la coopération suisse au foyer Don Bosco de Porto Novo, les bras chargés. Ils y sont venus pour remettre un important lot de matériel de couchage, de vivres pour l'alimentation, de matériel de soins de santé et de matériel ludique, devant contribuer à améliorer les conditions de vie des pensionnaires, des structures de protection des enfants, à savoir le foyer Don Bosco et l'Institut des filles Marie auxiliatrice IFMA. Pour moi aussi, c'est une grande joie d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie symbolique de remise de matériel aux deux des trois organisations qui sont avec Educo et la coopération suisse sur le projet d'appui à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des enfants et jeunes travailleurs des marchés de Dantopa, de Wando et du port de pêche. Sans être exhaustif, comme vous le voyez, il y a entre autres 29 matelas pour que vous puissiez dormir dans de bonnes conditions. Il y a 2 frigos pour que vos repas puissent être gardés dans de bonnes qualités. Il y a également des régulateurs, il y a des brosses, il y a des glacières, vous avez aussi des assiettes, des poubelles, des boîtes à pharmacie. Vous avez aussi, et je ne peux pas l'oublier, 6 boîtes de 50 de masques, parce que c'est très important que nous puissions continuer à respecter les gestes barrières. Et vous avez bien évidemment les gels hydroalcooliques et j'en passe. C'est un total de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés par Educo et la coopération suisse pour permettre à ces enfants démunis de vivre en dignité au quotidien. Les bénéficiaires ont dit toute leur gratitude aux généreux donateurs. Un grand merci à tout le monde qui nous aide depuis des années. Donc, grand merci aussi au nom des enfants et des jeunes. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui avec cette intention d'améliorer les conditions de vie et de prise en charge des enfants. Nous sommes heureux de compter directement sur ces enfants qui, demain, seront les adultes responsables de nos vies. Merci à Educo, merci à la DDC pour l'accompagnement technique, financier et même humain que vous nous apportez. Je voudrais, au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, remercier une fois encore Educo, remercier la DDC, remercier Foyer Don Bosco, remercier IFMA, remercier Assovi, tous ces partenaires qui sont là pour compléter le peu que l'État fait. Grâce à ce regard d'amour de Educo et de la coopération suisse, ces enfants et jeunes en situation difficile pourront prétendre à des conditions de vie et d'apprentissage agréables au même titre que tous les autres enfants du Bénin. Je l'annonçais en début d'édition, inauguration d'un module de 3 salles de classe équipées de tables et bancs à l'école primaire publique Gbekandji dans la commune d'Adjohun, c'est dans le département de l'Ouémé. L'organisation non gouvernementale Gbewa, en partenariat avec Plein International Bénin, a mis en service l'infrastructure scolaire au profit des apprenants. Ceci vient soulager un tant soit peu le déficit de salles de classe pour la bonne marche des activités scolaires. Reportage. Un module de 3 salles de classe offert à l'école primaire publique Gbekandji 1 dans la commune d'Adjohun, située dans le département de l'Ouémé. C'est grâce au partenariat entre l'ONG Gbewa et Plan International Bénin. La coupure symbolique du ruban et la remise de clé aux responsables de l'école matérialisent ainsi l'acte. La construction de ce module de salles de classe vient soulager les apprenants
qui n'étudiaient pas dans de bonnes conditions. Nous vous remercions de tout cœur pour ce geste salvateur. À notre endroit, nous prenons l'engagement d'en faire un bon usage. Encore une fois, toute la population de Bekanji, les membres du bureau APE, le personnel enseignant et les élèves vous remercient cordialement pour ce geste de traite que vous avez posé dans notre village. Par votre acte, vous participez indubitablement à l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs du système éducatif béninois et donc à la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ici, à l'école primaire publique de Kodé, toujours dans la commune d'Adjoum, c'est une cantine scolaire qui est mise en service. Une joie pour l'ensemble des usagers de cette école. L'ONG Gbewa se dit satisfaite de la qualité de l'infrastructure dont elle a elle-même suivi les travaux de construction. L'ONG Gbewa est une organisation non gouvernementale créée depuis 2009, reconnue officiellement par l'État en 2011. Et nous faisons, entre autres, la promotion de l'éducation. L'éducation des enfants et surtout des filles. On se disait, est-ce que c'est possible de construire des modules de classe en 2 mois? On a pris le risque, mais aujourd'hui, le résultat est là. Le module de 3 classes équipé en table-banc pour écoliers et pour enseignants, le coût global de cette construction s'élève à 18 060 704 francs CFA. La réception provisoire du module de classe dans les écoles primaires et publiques de Bekanji et Kodé s'inscrit dans la dynamique qui consiste pour plan international Bénin à contribuer à la création d'un cadre qui permet une assimilation facile des connaissances par les apprenants en lien avec les standards de l'école de qualité fondamentale prônée par le gouvernement béninois. Je vous remercie beaucoup pour ce joyeux bâtiment. Et je vais demander encore à nos enseignants de faire de très bons usages pour encourager Plan Bénin pour qu'ils puissent encore mieux nous donner que ça. Occasion pour Plan International Bénin de réitérer son engagement à travailler sans cesse pour le mieux-être des communautés scolaires. Avant l'étape d'Adjoum, 2 autres écoles des communes d'Adjaouere et de Dangbo ont également bénéficié de ces modules de salle de classe. Toute chose qui permettra aux écoliers d'étudier dans de meilleures conditions. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.